la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Toi, t'es venu qui? Il est où? Elle est venue qui? Comment vous êtes retrouvé ici? Je suis venu avec ma situation. Parce que moi, je ne partais pas bien. Qu'est-ce qui vous a amené à envoyer votre fille? Il y a eu quelque chose qui vous a dit pour que vos filles viennent d'ici. Oui, elle dit quoi? Elle est sorcière. Ah! Vous venez d'où? Je viens de Parmsi. Et où est Parmsi? Elle veut te manger. Hein? Et tu as peur? Tu peux l'envoyer ici. Tu n'as pas peur, tu peux l'envoyer. Il a dit. Pourquoi arrêter là? Tu n'as pas peur la fille là demain dans son grève. Elle va mettre une boulée un peu dans son grève. Tu es sorcier? Oui, parle. Je suis sorcier. Non, tu as tué 25 personnes. Comment tu tues les gens? Tu peux me donner le nom de trois personnes que tu as tuées rapidement? Mon père est premier. Oui, d'accord. Mon papa. Ton vrai père? Et comment il s'appelle? S'appelle. Et comment tu l'as tué? Il a une maladie de cœur. Hein? Maladie de cœur. Cœur, comment? On dort dans la même chambre. C'est comme moi et ma petite soeur, nous tous on jouait. Et puis, il y a tapé sur sa poitrine. Attends, j'ai pas compris. Tu jouais ton frère, ton papa, oui, il t'a tapé sur sa poitrine. Il a tapé. Hein? C'est dans ça. Ça n'a pas duré la main. Mais le coup que tu as donné là, c'était quel genre de coup? C'était un amusement, il a tapé. Non, tu es malade, amusement. Amusement, ça va nous mal de cœur. Quand tu donnais le coup là, c'était pour quoi? Peut-être que tu... Ah oui, mais c'est ce que je vais faire ressortir. Quand tu dis c'était. Tu as tapé. Donc le coup, c'était un coup fatal. C'était un coup pour tuer. Oui. Et puis elle a tué ma tante. Elle s'appelle Marie. Non, pour ton papa. Tu as tapé. Je ne pas. Mm-hmm. Il a tapé. C'est dans ça. Dans... Mets-toi là. Monsieur, il faut bien faire ton micro. Hein? C'est dans ça qu'il a une maladie de cœur. Et puis l'envoie à l'hôpital, ça. L'hôpital là-bas, il est mort. Puis elle tue ma tante. Mais tu l'as mangé? Oui, papa. Et tu as mangé quelle partie de ton papa? Il m'a été tête. Et c'était tout. Vous êtes combien dans la confrérie? Nous sommes 13. Vous êtes 13 personnes? Oui, toi, tu joues quel rôle dans la sorcellerie? Moi, je suis le chef. Qui est-ce? Qui est le chef, papa? C'est la femme qui m'a initié. Elle est où? Elle est au village. Quel village? À Père Moussou. Hein? À Père Moussou. C'est quel village? C'est Boaké et Bouton. Oui, Baoulé. Et comment tu fais pour tuer? Comment tu fais pour tuer? Mais ton son en chat pour tuer. Et comment tu fais pour te transformer? Je m'appelle et puis me pousser. Faut faire voir. Il m'appelle comme ça. Mmh. Et puis il me consomme. Tu te consommes comment? Il me consomme fort. Mmh. Et puis il devient chat. Tu dis rien. Il dit, il parle. Tu dis quoi? Il dit,
concernant qu'il y a certains effets là, il n'est qu'à devenir chat tout le suite. Et puis il devient chat. Et puis il m'en va en mission. Va en mission. Et quand tu deviens chat, tu fais quoi après? Après, mais tu es les gens. Tu tues les gens. Papa. Sinon, tu rentres dans leur maison. Donc les chats, on voit souvent là, c'est ça. Les chats bizarres. Les chats, mais plus on dirait ces bébés là. C'est comme ça, il va pour tuer les chats. Non, mais quand tu deviens le chat, bah, il faut nous expliquer. Le chat l'a fait comment? Là, souvent, il y a les chats bizarres. Il veut forcément rentrer chez toi. Il y a quoi? Je n'aime pas chat qui doit monter les prêts. Un chat comme ça, c'est un sorcier. Il se débat, c'est pas chez toi. C'est seulement que lui, il n'a qu'à te lever. Moi, il y a les animaux, je ne veux pas. Mais oui. Le petit qui était chez moi, m'a dit, mais là, je vais au sport, ouais, je suis mais attends. Y'a quoi? Il est parti vite, vite. C'est moi qui t'ai dit, on va te lever. Si on ne te nourrit pas, qui chez moi? J'ai pas même l'argent pour nourrir tout le monde, c'est moi qui viens de chat. Oui. Comme ça, il fait pour tuer les gens, papa. Comme ça, il fait pour tuer les gens. Et quand tu deviens chat, tu fais comment? Il griffe les gens, ou soit il est mort. Tu mords? Oui, ils sont où, puis tu les mords? Ils sont chez eux. Mais comment tu rentres dans leur maison? Quand il m'en va, je suis l'homme. Mais quand il arrive en bas, quand il faut qu'il rentre dans leur maison. Non, avant de rentrer, tu es chat. Comment tu rentres en homme? Parce que quand tu rentres en homme, là, comment tu fais pour rentrer? La maison est fermée, comment tu fais pour rentrer? Il passe par le mur. Oui, et puis qu'est-ce que tu fais? Et puis quand il rentre, il le consacre maintenant. Et puis il devient chat. Si il ne veut pas tuer la personne chez lui là-bas, je prends son âme pour venir. Tu prends son âme pour venir? Et tu as tué combien de personnes? Tu es blessé. Mais comment tu as programmé ton nom? Tu as gâté qui et qui? J'ai gâté mon nom. Où il est? Venez, monsieur. Vous avez gâté quoi en lui? Son argent. Comment tu as gâté son argent? Il m'a donné, il lui a demandé 200 pour aller manger à Tiki. Vous vous souvenez qu'un jour, vous a donné 200? Vous a demandé 200. Tu as demandé 200, oui? Oui. 200, il n'est pas bouffé. Il a mis ça dans mon sac, il a mis, il a envoyé ça. Alors, les 200, tu n'as pas bouffé, tu as mis dans ton sac. Et tu envoies ça où? Il a envoyé ça dans mon camp. Hein? Il a envoyé ça dans nos camps. Et puis, ça servit à quoi? Quand il s'est arrivé là-bas, nous tous, on a dansé, on a fait le tour, on a dansé. Quand on a dansé, chacun a prononcé une parole. Et puis, ils m'ont dit de suivre pour mettre dans la parole. Puis, ils ont suivi pour mettre dans la parole. Que son argent, tout son argent du mois, ce qu'il va gagner, ça va pas aller dans l'hôpital. La petite soeur n'aura pas tombé malade. Donc quand il gagne l'argent, ça va à l'hôpital. Et c'est exactement ça? Exactement. Depuis 4 ans, quand son papa est mort, c'est là. Bon, il est beaucoup distrait, pas le micro. Après le décès de son papa, qui est mon cousin, et ils m'ont appelé pour dire que oui, les enfants sont restés sur le bras de leur maman. Si je pouvais prendre une, pour m'en récupérer. Et là, tu as mangé ton totem. Et là, je suis parti là chercher et venir à mon service. Mais pourquoi c'est elle qui a regardé pour vous? Non, bon, c'est elle qui était là, à la maison. Et je l'ai demandé, est-ce que tu viens vivre avec moi? Elle m'a dit oui. Elle t'a mangé. C'est comme ça, je l'ai emmené. Depuis 4 ans, la première année. Quand tu venais avec toi, tu étais déjà sorcier. Donc quand il a dit, bon, je t'envoie chez moi, tu as dit, la boutique, je vais aller manger avec toi.
Elle t'a vu en boutique. Donc, quand je l'ai amenée depuis 4 ans, la première année même, j'ai eu un accident grave où je me suis retrouvé au chien. J'ai failli mourir. Mais c'était la grâce de Dieu. Bon, je ne savais pas. Tout ça, là, je pensais que bon, c'est le malheur qui me frappait. Après mon premier accident, j'ai eu, 2 mois après, j'ai eu un deuxième accident. Tout ça, je me suis retrouvé à vie. Chaque fois que j'ai mon salaire, tous mes enfants vont passer à tout de l'heure à l'hôpital. C'est toi qui fais l'accident, c'est toi qui as fait. Pourquoi? Mais lui, il a eu pitié de toi. Il a eu pitié, dit bien. Pourquoi mourir de faim? Maintenant, si lui il est mort, tu vas te donner à manger. Je te demande. Et donc, pour toi, c'est un plaisir de tuer. Et après, quelles sont les séries? Les enfants tombent malades, c'est ça? Oui, les enfants tombent malades à tout du rôle. Une fois l'argent fini dans ma main, ils se retrouvent un peu. Ah. Une fois l'argent fini, les enfants se retrouvent. Et chaque fois, c'est comme ça. La toute dernière fois, une prière à l'église, un esprit est tombé sur elle, et elle a commencé à dire des paroles. Elle a confessé. Voilà. C'est là qu'elle a dit que oui, elle a été envoyée du village. Dans elle a dit devant les responsables de Dieu. Okay. Voilà, qu'elle a été envoyée du village. On lui a dit, tu as été envoyée pourquoi? Oui, pour ne pas que foutre mon nom, pour ne pas qu'il devienne quelqu'un, pour ne pas qu'il gagne de l'argent. Pour ne pas que ça va, ma femme enfante encore. Et ma femme a été opérée. Moi, elle mourait. Et pour ne pas aussi que mes enfants deviennent quelqu'un. Après elle-même, elle a mis l'esprit de palabre entre mes enfants. J'ai 2 de mes filles, une qui fait la 3e, l'autre qui fait la 5e. Tout le temps, les enfants se battent et ils vont se presser avant que les palabres s'arrêtent. Elle dit, c'est elle qui a envoyé, qui a mis ça. Franchement. Voilà pourquoi je l'ai amenée ici, pour qu'elle-même soit sauvée. C'est moi mon objectif, pour qu'elle dise la vérité, pour qu'on la délivre. Pour qu'on la délivre et puis... Et donc là, l'église n'a pas pu chasser. Là, l'église n'a pas pu chasser. Ils disent qu'elle ne peut pas. Ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas, parce qu'ils font... Bon, je pense qu'en allant à l'église, la neige, c'est la neige au corps. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Là-bas, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Comment tu t'es arrangé et puis les gens n'ont pas pu chasser? Je me suis changé. Tu avais dit? J'ai caché mon côté là. Quand on arrive dans mon camp en bas, j'ai dit que bientôt on va m'attraper. Donc, on a cassé à manger. Ce qu'on peut faire pour ne pas qu'on me voie. Donc, quand on s'en va, la nuit là-bas, quand je parle, je dis que faut pas qu'on va m'attraper. Que on va me voir comme quelqu'un qui n'a pas esprit de la sorcellerie. Et comment tu t'arranges? Je parle pour les pasteurs qui sont en bas. Ah, tu parles sur les pasteurs. Je parle pour dire que les pasteurs qui sont en bas. Faut pas envoyer me voir que je suis sorcière. Faut pas envoyer me voir que je suis sorcière. Que je vais me voir comme quelqu'un qui n'a pas esprit de la sorcellerie, pour que quand on va me voir, il ne faut pas demander qu'est-ce que j'ai fait sur mon père, maman. Ce qu'il fait, puis quand il m'a... Tu as gâté quoi dans la vie de ta maman? Maman, elle voulait la tuer. Puis elle s'en a rendu compte, et puis ça a échoué.
Comment? On voulait prendre son ventre. Et puis il y avait un prophète qui l'avait prévenu. Il dit que la fille que tu l'as envoyée là, pour la bombe partie qu'elle n'est pas bonne. Et puis ils ont commencé à prier, prier. C'est dans la prière la vie qu'on a échoué. Tu avais programmé quoi? J'avais programmé mon père. Non, c'est la dame, ta maman. Son avortement. Avortement, ça veut dire. Elle voulait tuer un enfant qui était dans le ventre. Une fausse couche. Et elle a fait la fausse couche? Elle n'a pas pu faire, mais elle a accouché dans les difficultés même. Elle était enflée, tout le corps était enflé jusqu'en bas, dans sa grossesse. Et à l'hôpital, j'étais à 19 de tension. 19. Moins un elle, nous a même dit qu'on devait l'opérer. Mais franchement, c'est la prière de Dieu qui a fait au dernier moment et puis elle a pu accoucher. Sinon, c'est comme ça. Mais la première fois là, c'était une fois que elle a eu un GU, il a opéré. Mais là, c'est cette grossesse-là, je ne sais pas si ça les a secoué ou bien quoi, ou bien c'est la prière. En tout cas, la femme est partie jusqu'à terme. Mais tout son corps est enflé du haut jusqu'en bas. Elle va attendre l'attention du neuf et ne peut pas accoucher. Au moins, le docteur s'apprêtait à aller l'opérer. Et puis le miracle s'est opéré, l'enfant est sorti. Après l'accouchement même, il a fallu 1h30 pour que le derrière puisse tomber. Vraiment, tout le monde disait que la femme de monsieur dit où il va à l'hôpital, la femme ne reviendra plus. Tout le monde disait que la femme ne reviendra plus. Vraiment, ça a été une chance et elle est revenue. L'enfant même est là. Et elle-même encore, cet enfant qui est né vient d'être opéré d'une hernie inguinale. Elle dit c'est elle qui est la cause. Elle voulait tuer l'enfant même dans le ventre de sa maman. Tu veux délivrer? Vous regardez comment on délivre sorcier. Lâche-la. Sors d'elle. Esprit de la sorcellerie. Feu. 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 Feu.
spiritual ashes. Finally, consume the ashes. Finally, consume the ashes. Finally, consume the ashes. Receive your deliverance in Jesus' name. Sa délivrance même a fait du bien. Avec tout ce qui se passe, je pense que
dans le monde entier, ils vont savoir que ce qu'on disait au village, parce qu'il y a ma grande soeur qui a dit ça, au début n'ont pas cru. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas cru à ma grande soeur, parce qu'elle avait dit qu'elle était sorcière. Mais quand ce n'était pas découvert, ils l'ont gardé dedans. Et dans la communauté où je suis là-bas, à Pansy, Google, il y a une responsable de l'église où j'étais même, qui l'a encouragé à dire n'importe quoi. Alors il y a une veille de prière qui s'est passée tout dernièrement. Cette responsable qui la poussait à dire des choses de moi partout, elle a été découverte sorcière. J'ai pris Dieu que cette dernière vienne ici, bah, ici elle vient ici, elle sera délivrée. Mais quand elle sera à Pansy, elle va demander sorcière. Ici, j'envoie ma fille, Dieu me sait la délivrer. Si elle repart, avec le témoignage qu'elle rend aujourd'hui, le monde entier verra qu'elle-même elle va en parler. Partout. Je suis très content. Elle a dit des choses. Parce que aujourd'hui, tout est découvert. Dieu est le Dieu qui est capable de délivrer de mauvaises personnes. Sa main n'est pas limitée. Quel que soit ce que tu es, Dieu peut encore changer ta vie. Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer ta vie. C'est ça. Je suis contre les pasteurs qui excommunent les fidèles sous prétexte qu'ils sont sur le chef et qu'on ne peut rien faire. Vous limitez la main de Dieu. C'est un monde d'amour. They are limiting God's hands. Vous êtes délivré. You're delivered. Si tu retournes, if you go back, ah, la parole qui va te condamner et c'est la parole qui te justifiera. Naïli, go, go, go.